Commence nos travaux, chers collègues, bonjour. Bonjour à tous. On a le quorum pour commencer les travaux. Je vous annonce que c'est la dernière CP de cette année, qui reprendra nos travaux à la fin de la session. À la session ordinaire, nous avons les conditions de quorum, Madame la Secrétaire Générale Adjointe. Monsieur Jaïwe, on est 6. Et Madame Barbier à la procuration de Monsieur Blaise. Donc nous avons le quorum, nous avons 3 points à l'ordre du jour. Examen de la délibération, c'est la proposition de délibération concernant les crédits collaborateurs. Un avis sur le projet d'ordonnance et enfin la délibération relative au nouveau code des douanes par rapport à la loi de pays qui a été adoptée et enfin la désignation d'un rapporteur spécial. Donc on prend le premier point à l'ordre du jour, c'est la proposition de délibération portant diverses dispositions relatives au crédit collaborateur des groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, cette proposition est déposée par le président du Congrès, M. Rokwamitan, le 28 octobre dernier, examinée en commission le 4 novembre. Et le rapport de commission a été diffusé le 16 novembre. Je vous propose de s'exonérer de la lecture du rapport, si vous en êtes d'accord. Je vais laisser peut-être Madame secrétaire générale adjointe peut-être faire une petite synthèse de cette proposition de délibération. Madame secrétaire générale adjointe. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, cette proposition de délibération, elle poursuit deux objectifs. Le premier, c'est de venir préciser, de simplifier en fait la procédure de fin de fonction des collaborateurs en venant ajouter un motif de fin de fonction de plein droit. C'est-à-dire que dans à l'article 13 de la délibération sans CP aujourd'hui, la seule fin de fonction de plein droit concerne lorsqu'il est mis fin au mandat de l'élu. Et on s'est rendu compte dans les faits que lorsqu'un groupe venait à perdre des crédits collaborateurs, on n'avait pas dans le texte de quoi mettre fin aux fonctions immédiatement, parce que dans les faits, on devrait observer un délai de 15 jours. Toutefois, quand il y a une perte de crédit collaborateur, l'effet est immédiat. Du coup, on vient préciser dans la délibération une fin de fonction, une seconde fin de fonction de plein droit. Le deuxième objectif, c'est de régler le sort des reliquats de crédit collaborateur lorsque la composition d'un groupe change. Donc, on a plusieurs scénarios. En fait, dans les faits, aujourd'hui, lorsqu'un groupe perd ses crédits, vous savez que les crédits se cumulent d'un mois sur l'autre. Et lorsque un groupe se scinde, par exemple, finalement, on n'a rien qui vient préciser dans la réglementation ce qu'on doit faire des crédits qui ont été cumulés durant les mois passés. Donc là, on vient préciser également que lorsqu'un groupe se scinde en deux, par exemple, on va prendre le reliquat de crédits cumulés et on va le répartir à la proportionnelle entre le groupe initial et la part de l'élu qui quitte ce groupe, qui irait dans un autre groupe ou qui se composerait dans un nouveau groupe. Lorsqu'un élu quitte un groupe pour siéger en non-inscrit, le reliquat de crédit reste au groupe initial. Voilà, on a exposé chacun de ces cas-là au sein de l'exposé des motifs. Et on vient aussi, par ailleurs, pour pouvoir officialiser, en fait, matérialiser ces fins de fonction et le fait qu'un élu puisse quitter un groupe, c'est de pouvoir alléger en fait la procédure. Aujourd'hui, quand il y a la composition d'un groupe, le groupe doit faire une nouvelle déclaration. Là, il s'agira pour un élu de se déclarer via une déclaration individuelle. Il se signale auprès du président du Congrès pour indiquer qu'il souhaite quitter le groupe. Et le président du Congrès, en fait, constatera à un moment donné par arrêté la nouvelle composition des groupes. Je ne sais pas si c'est suffisant, si vous voulez plus d'éléments, mais... Merci, Madame la secrétaire générale adjointe. Je vais ouvrir la discussion générale. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Je n'en vois pas. Je propose qu'on passe à l'examen des articles, si vous n'avez pas d'inconvénients. Monsieur Rochettine. Oui, juste pour une bonne compréhension, donc... On va peut-être prendre un exemple assez concret. Donc, pour le moment, pour pouvoir prétendre au crédit collaborateur, il faut au moins être un groupe
composé de six élus. Donc la base, donc au départ, donc c'est bien le groupe de six. Et à la clé, c'est combien de crédits collaborateurs pour un groupe de six? Vous devez éteindre votre micro, monsieur Washington. En fait, aujourd'hui, il y a une délibération qui prévoit 24 crédits collaborateurs pour les groupes. Et ces 24 crédits collaborateurs sont répartis proportionnellement en fait, au nombre d'élus qui composent les groupes. Donc c'est une règle de calcul à la proportionnelle. Donc en fonction de la composition des différents groupes, ça va déterminer le nombre de crédits collaborateurs par groupe. Les 24 crédits sont figés. C'est la délibération 207, oui, qui... Alors en fait, le principe des crédits collaborateurs pour les groupes, pour la parfaite information des élus, à la base, c'est fixé par la loi organique, par l'article 79 de la loi organique, qui vient indiquer en fait que donc il y a des moyens humains qui sont mis à disposition des élus et que cette enveloppe ne doit pas déplacer le tiers des indemnités versées aux conseillers. Donc nous, ça détermine une enveloppe au niveau de la loi organique. Ensuite, on a une délibération qui vient fixer un nombre de crédits collaborateurs et nous, on doit veiller à ce que cette enveloppe-là fixée par la délibération ne vient pas dépasser l'enveloppe fixée par la loi organique. Mais aujourd'hui, c'est 24 crédits collaborateurs par délibération. D'autres interventions? Oui, j'ai une question. Madame Coité? Oui, merci. Donc, si on perd un crédit collaborateur, les moyens... En termes de logistique, par exemple, on les perd aussi. Comment ça s'opère? Par exemple, pour nous, dès que M. Mapou est parti, on a perdu un crédit collaborateur et les moyens logistiques, une imprimante et un ordinateur. Est-ce que ça suit aussi par rapport au crédit collaborateur? Alors... Lorsqu'il y a un changement de la composition d'un groupe, nous, on doit, donc à l'époque, sur la base des déclarations de groupe, on doit en fait recalculer les droits des groupes, aussi bien les moyens matériels qu'humains. Donc forcément, s'il y a un changement au niveau des moyens humains, donc si vous perdez, par exemple, un crédit collaborateur, comme un crédit collaborateur permet aussi de disposer, par exemple, de postes informatiques, ben forcément, ça aura un impact sur les moyens matériels. D'autres interventions sur le sujet? Parlez dans le micro, s'il vous plaît, monsieur Hochstein. Allez, vas-y. Et là, concrètement, ce qui est proposé, c'est que, par exemple, pour le groupe Union Calédonienne, quand le groupe Union Calédonienne était tout seul, il avait un nombre de crédits collaborateurs. Quand l'éveil océanien l'a rejoint, le nombre de crédits collaborateurs a augmenté. Et depuis que l'éveil océanien est reparti à quitter le groupe, ce qui est proposé là, c'est que l'Union Calédonienne maintienne ses crédits collaborateurs. Non. Je vais éteindre votre micro, monsieur Jaywe. En fait, la délibération, ce qu'elle vient proposer, c'est qu'un groupe, donc on va fixer à un instant T la répartition des crédits collaborateurs, si le groupe ne consomme pas à 100% son enveloppe, le reliquat de crédit qui reste d'un mois sur l'autre va se reporter d'un mois sur l'autre. Et ça va faire un cumul de... Ça va déterminer une enveloppe. Par exemple, s'il y a 1 million, à un moment donné, s'il y a une scission... Comme vous indiquez, on a un nombre d'élus qui quittent, par exemple, le groupe. Nous, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de cette enveloppe d'un million? En fait, on va venir la répartir, en fait, entre le nombre d'élus qui restent dans le groupe UC et la part d'élus qui quittent le groupe. Alors, s'ils sont en inscrits, on va laisser le cumul au groupe UC. Par contre, si les élus qui quittent ce groupe vont siéger dans un autre groupe, on va leur donner leur part qui les concerne. Donc ça, c'est pour l'enveloppe cumulée. S'agissant des crédits collaborateurs,
on doit, en fait, nous, de nouveau répartir. Mais ça, ça va déterminer une nouvelle enveloppe pour l'avenir. La répartition des crédits collaborateurs, en fait, nous, on doit toujours le fixer en fonction du nombre d'élus qui composent le groupe. Ça, c'est une chose. Nous, ce qu'on vient régler au regard de la délibération qu'on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir, c'est le cumul des crédits qu'on vient régler, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on considère quelque part que c'est perdu, quoi. Aujourd'hui, quand il y a des scissions, ça revient dans le pot commun et c'est pas géré, en fait. Aujourd'hui, on permet à chaque groupe d'utiliser jusqu'au 31 décembre les crédits cumulés. Ça ne répond pas à votre question ? Monsieur Michel ? Oui, enfin, je reprends la question de Jean-Pierre Djaoué. La question, le principe, c'est les crédits collaborateurs sont répartis proportionnellement à la taille des groupes, en intégrant le fait qu'il y a plus ou moins de non-inscrits et que ça affecte effectivement la proportion et le poids de chaque groupe respectif. Donc ça, c'est le principe. La question qui se pose aujourd'hui, enfin moi telle que je la comprends de Jean-Pierre, c'est est-ce que la règle qui consiste à laisser à l'ancien groupe la totalité de ses crédits lorsque les élus qui ont quitté ce groupe siègent en non-inscrit, est-ce que cette règle affecte ou remet en cause le principe de répartition proportionnelle des crédits collaborateurs entre les groupes constitués ? Bon, donc il n'y a pas de difficulté. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a 24 crédits collaborateurs répartis au prorata des groupes en fonction de la composition de l'Assemblée. Et à chaque fois que cette composition change, pour une raison ou pour une autre, on refait le calcul. Voilà. Enfin, c'est ce que je comprends. Oui. C'est clair. Donc, concrètement, sur le cas précis, quand Éveil Océanien est parti, donc on en inscrit. Ils ne sont pas partis avec. C'est quoi cet exemple, monsieur Wachetti ? Non, mais c'est un exemple. Pardon. Au moins, c'est compris. Bon, excusez-moi, président. Oui, donc, ils n'ont pas pu bénéficier de crédits collaborateurs. Non. Il faut qu'ils constituent obligatoirement un groupe de. C'est ça. Où ils rentrent. Sauf si vous intégrez un groupe, à ce moment-là, vous avez des crédits. C'est ça. D'accord. Ben oui, parce que d'aller dans l'autre groupe, vous renforcez ce groupe, donc vous changez la répartition et la taille du groupe. Donc il y a le recalcul qui est fait automatiquement. Madame Ruffinac. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Désolée du petit retard. Oui, deux commentaires. Le premier, c'est qu'effectivement, cette délibération, elle vient permettre d'actualiser l'évolution éventuelle des différents groupes au Congrès. Parce que certains groupes qui ne consommaient pas leurs crédits pendant, par exemple, 6 mois, si au bout de ces 6 mois, ils avaient accumulé des crédits et qui n'étaient pas consommés, et que d'un seul coup, il y a une répartition nouvelle parce qu'il y a une scission au sein de ces groupes, ces crédits étaient perdus, au lieu d'être répartis proportionnellement, si jamais ce groupe se sépare en deux groupes, vers les deux groupes, et proportionnellement au nombre d'élus qui les constituent. Donc moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de combler un vide en fait, juridique qu'il y avait au niveau du Congrès. La deuxième réflexion que je porte, et que nous avons portée en commission, dans le rapport de commission, mais peut-être que Monsieur le Président, d'abord, on ne l'a pas encore lu, et puis peut-être qu'on ne le lira pas si jamais on fait application de l'article 59 aujourd'hui. Donc c'est fait déjà. Oui. Voilà, c'est déjà le cas. On est dans la discussion générale. C'est la raison pour laquelle j'évoque ce sujet dans la discussion générale. Il y a un sujet sur le fait que les élus qui sont hors groupe n'aient aucun moyen, même humain, pour fonctionner au Congrès. Voilà. Il y a des élus, enfin, moi je ne suis pas dans ce cas de figure, mais un élu qui arrive au Congrès, nous avons chaque année des textes, enfin nous avons tous les jours des textes à étudier, du travail d'élus à faire, et en fait ils n'ont même pas de demi-crédit collaborateur ou de crédit collaborateur. Voilà. C'est un sujet, moi je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais je pose le sujet. Parce que ça fait des fois des jeux d'alliance obligée, alors que je considère que n'importe quel élu doit avoir un minimum de moyens humains au moins. Alors maintenant, depuis ces dernières années, le Congrès a évolué puisque ces élus ont au moins un bureau. Avant, ils n'avaient pas de bureau quand ils étaient hors groupe. Alors n'importe quel élu des 54 élus du Congrès doit pouvoir faire son travail d'élu
travailler sur ces textes. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose, d'avoir une répartition, mais ça sera pour l'avenir, hein, évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, avoir un minimum de moyens humains, que l'élu puisse au moins avoir un secrétariat, un minimum de secrétariat pour les rendez-vous, pour, voilà, c'est un sujet qu'on a posé. Je vous remercie. Merci. Et je profite de cette délibération aussi pour dire que dans les autres institutions, il y a des moyens institutionnels pour que les élus puissent fonctionner et qu'au Congrès, les groupes au Congrès, à part effectivement les collaborateurs et leurs bureaux, n'ont pas de moyens spécifiques. On a des moyens qui sont révolus, et moi j'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Par exemple, vous voyez, on a des moyens d'affranchissement qui sont très importants. Or aujourd'hui, on ne fonctionne plus avec des courriers classiques comme avant, où on met des timbres sur les courriers. On fonctionne beaucoup de manière dématérialisée par mail, par courriel. Et voilà, il y a vraiment une réflexion à avoir sur les moyens de fonctionnement des groupes. C'est aussi les groupes politiques du Congrès, c'est aussi un peu la démocratie, hein. C'est-à-dire que c'est l'expression aussi, et ça doit pouvoir fonctionner. On doit pouvoir recevoir un certain nombre d'acteurs de la société civile pour que les décisions soient fondées et ne soient pas hors sol. Enfin voilà, c'est une réflexion globale que peut suggérer aussi le dépôt de cette délibération. En tout cas, nous, on y est favorable parce que maintenant, c'est équilibré. On a une répartition proportionnelle quand il y a décision en fonction du nombre d'élus. Et effectivement, alors pas vers les élus non inscrits, effectivement. Mais ça sera peut-être dans un second temps. Merci. Merci, Madame Ruffner. Moi, je vous rejoins totalement sur le premier sujet, parce que nouvel élu, pas de groupe politique, donc pas de moyens humains pour travailler. Et du coup, c'est très compliqué. J'arbore ce discours depuis le début du mandat. Je fais une proposition, moi, au Congrès, de distribuer un collaborateur, un crédit collaborateur à chaque élu. Comme un député, il a des moyens pour travailler, ça ne l'oblige pas à rester dans un groupe. D'autant plus que ça permet de sortir de la précarité des collaborateurs, parce que sur tous les ans, en fait, on joue en fait, au chat et à la souris pour savoir si le collaborateur va être gardé ou pas. Le fait d'avoir un collaborateur par élu, ça permet de construire quelque chose sur le mandat. Et puis, s'il y en a qui forment des groupes, ben, s'il y a 6 personnes, ben, ça fait 6 crédits collaborateurs. On pourrait faire une variation de ce type-là. Moi, je comprends cette chose, je crois, mieux que quiconque ici. Parce que depuis le début du mandat, quand on est non inscrit au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de crédit collaborateur. On ne peut pas travailler. C'est compliqué. Et c'est encore plus difficile quand on est un nouvel élu, qu'on n'a pas de groupe, pour commencer à s'accaparer, au fait, les textes du Congrès. Donc moi, je vais dans votre sens, Madame Ruffner. Je crois que les services du Congrès sont en train d'y travailler. Il faut aussi qu'on réunisse aussi la commission qui traite le règlement intérieur pour avancer sur le toilettage du règlement intérieur. On a commencé en 2019. On a fait 3 ou 4 réunions, je crois, Madame la Présidente. Donc, il faut qu'on active là, sur les 2 dernières années pour qu'on ait au moins une mouture nouvelle avant d'entamer le nouveau mandat. Monsieur Michel. Oui, je reviens sur l'intervention de Madame Ruffner et sur votre intervention, Monsieur le Président. Autant la problématique des moyens minimums qui permettent à tous les élus, qu'ils soient constitués ou pas, en groupe, est une problématique avérée, au même titre d'ailleurs que les locaux, qui est une problématique qu'on a réglée. Autant la problématique des groupes politiques, de mon point de vue, doit être traitée avec une attention toute particulière, pour plusieurs raisons. D'abord, la marge de manœuvre dont on dispose est limitée par les prescriptions de la loi organique. Effectivement, l'idée, par exemple, de dire chaque élu a au moins un collaborateur, ben, contrevient au fait que la loi organique dit, elle, de son côté, l'enveloppe totale de rémunération des collaborateurs ne peut pas excéder le tiers de la rémunération des élus du Congrès. Ou alors, ça veut dire qu'on aurait des crédits collaborateurs extrêmement réduits. Bon, enfin, je rappelle cette première limite. Deuxième limite, il faut être très attentif à ce qu'on fait quand on parle des groupes politiques. Parce qu'à la différence des autres collectivités,
Les groupes politiques au Congrès, ils n'ont pas que des moyens matériels ou humains pour fonctionner. Ils ont aussi des prérogatives politiques majeures. Majeures. Celle de pouvoir déposer des listes gouvernement. Pour l'élection du gouvernement, celle de pouvoir faire un certain nombre de choses qui sont très significatives dans la vie institutionnelle du pays. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ça. Et puis enfin, troisième sujet, mais là, c'est une réflexion que je laisse à l'appréciation de tout un chacun. Moi qui suis un vieil élu, non, mais je suis frappé par l'évolution en termes de stabilité et de permanence des interlocuteurs et de la composition du Congrès. Je suis frappé parce que cette mandature, à la différence de toutes les précédentes, a été marquée de manière, il faudrait rechercher les statistiques, mais a été marquée de manière beaucoup plus forte que les précédentes par des changements fréquents dans la taille des groupes, etc., etc. Et c'est pas nécessairement une bonne chose en termes de stabilité et de permanence des interlocuteurs politiques, hein, que de changer toutes les 5 minutes de composition, etc. Parce que tout ça a des conséquences après sur... Comme en plus, on est dans un système unique, d'ailleurs, hein, de renouvellement annuel du président et des vice-présidents, c'est-à-dire que tous les ans, on repasse tout à la bonne. Non, il y a Wallis et Futuna aussi. Non, mais... Ah, pardon. Bon, OK. Il y a deux exceptions. Tout ça, ça ne favorise pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la stabilité, le suivi des échanges, etc., etc. Donc, bon, voilà. Après, on ne va pas faire la discussion aujourd'hui, parce que... Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une réflexion qui peut ou qui doit être menée à terme dans le cadre de la commission ad hoc. Hein. Par ailleurs, il y a aussi un sujet sur le maintien des institutions... en l'état au-delà de 2024. Bon, enfin, bref. Mais voilà, moi, je tenais à apporter ces éléments-là. Et effectivement, pour qu'un élu puisse travailler, il faut qu'il ait un minimum de moyens, a fortiori, d'ailleurs, quand c'est un nouvel élu, parce que tout ça est quand même assez compliqué, difficile, etc. Mais après, il faut faire attention aux conséquences politiques et c'est institutionnelles ça. De ce qu'on fait. Quoi. Pas déstabiliser les groupes. Merci, monsieur Michel. On entend ripper le sujet, là, parce que le sujet, c'est pas ça aujourd'hui. Moi, je propose que, dans les plus brefs délais, on essaie d'organiser une commission de règlement intérieur et qu'on évoque ces sujets et qu'on arrive au toilettage. Je prends la dernière intervention, Mme Ruffnac, si c'est sur le sujet de la délibération qui nous est proposée aujourd'hui. Je tiens à rappeler quand même à ceux qui viennent d'arriver que j'ai une contrainte à 10 heures au CESE et que je dois malheureusement... J'ai commencé à 9h00, mais... Je pensais à ce stade-là du timing arrivé au projet d'ordonnance. Et Madame Ruffnac. Non, mais très rapidement dire que je suis d'accord avec Monsieur Michel et ses propos qu'il vient de dire. Moi, ma préoccupation, c'est que chaque élu ait un minimum de fonctionnement, mais il faut privilégier quand même les moyens attribués au groupe parce qu'effectivement, il ne faut pas une balkanisation de la vie politique calédonienne où on est 54 élus qui sont individuels. Quoi. Bien sûr. Donc il faut une prime, effectivement, au regroupement. Mais il faut que les élus indépendants aient un minimum de moyens humains pour pouvoir faire leur travail. C'est ça, c'est ça ma préoccupation. Absolument, il faut concilier les deux. C'est ça qu'on dit. On passe à l'examen des articles. Madame Coité, sur l'article 1er, il n'y a pas d'observation. Avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des interventions sur cet article 1er ? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention, il est adopté. Sur l'article 2 et 3, est-ce que vous avez des interventions ? Pas d'intervention, pas d'opposition, ces articles sont adoptés. L'article 4, est-ce que vous avez des interventions ? Non plus, je ne vois pas, pas d'opposition, il est adopté. Article 5, c'est la transmission sur l'ensemble de la délibération, s'il y a des explications de vote. Je n'en vois pas, je suppose que c'est le même vote. La délibération est adoptée, je vous remercie. On passe au projet d'ordonnance. Monsieur Jacquemin, je l'ai vu tout à l'heure. Projet d'ordonnance étendant et adaptant des collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la loi
numéro 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Pour rappel, c'est le haut-commissaire qui nous a saisis le 18 octobre dernier, transmis au conseiller le 20 octobre, examiné en commission le 4 novembre. Le rapport, c'est le 269. Nous avons reçu deux avis de la FMNC et de la AMNC. Monsieur Jacquemin, la parole est à vous. Soyez bref et synthétique. Monsieur le Président, bonjour. Oui, donc il s'agit d'un projet d'ordonnance qui vise à étendre en Nouvelle-Calédonie certaines dispositions d'une loi importante en France, dont le nom est très long, hein, loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. C'est une loi d'importance en France parce qu'elle introduit dans le Code général des collectivités territoriales le concept de différenciation sur lequel a beaucoup réfléchi le Conseil d'État en 2017 et qu'on a introduit après, donc, en 2022, après plusieurs années de réflexion et surtout après plusieurs années d'évolution de collectivités. On se rend compte que, en fonction des stratégies et des situations locales, des collectivités du même cadre, on compare surtout des régions, départements et des communes, ont la volonté d'exercer de manière différenciée des compétences qui leur sont attribuées. Donc ce concept, il a beaucoup moins d'impact dans les collectivités ultramarines, puisque, et surtout en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on connaît déjà, nous ici, un système de différenciation d'application de la réglementation avec le transfert des compétences. Mais néanmoins, c'est un concept important parce qu'il vient rénover un peu le cadre de réflexion autour des collectivités locales. Ce qu'il faut surtout retenir ici pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que ce projet d'ordonnance, il étend plusieurs mesures de simplification qui concernent la transparence de la vie publique. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans le détail ou si M. Travers veut intervenir à ce stade. Bon, on dira l'avis, mais... Poursuivez, ou... Donc, il y a plusieurs mesures qui concernent tout d'abord les obligations des élus en matière de transparence, déclaration d'intérêt à la haute autorité transparence pour la vie publique. Il y a plusieurs mesures de simplification aussi à destination des communes en matière de dénomination des voiries, en matière d'inscription dans le budget par le maire pour les petites dépenses. Voilà. Il y a aussi un cadre rénové pour tout ce qui concerne la transparence dans les sociétés d'économistes locales. La grande avancée, c'est ce qui concerne pour les conseils municipaux, le fait que on vient préciser par la loi les cas de conflit d'intérêts. Plus précisément, on fait en sorte que les élus ne soient pas inquiétés du seul fait de leur participation à des groupements, syndicats ou sociétés économiques locales, du simple fait de leur qualité d'élu. Voilà. Ça, c'est une grande avancée qui a notamment fait débat lors de la commission de la réglementation générale qui a étudié ce projet d'ordonnance. Et je pense qu'il fera également encore l'objet de discussion aujourd'hui en séance. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Jacquemin. J'ouvre la discussion générale. Madame Ruffiac, il faut éteindre un micro. Merci, Monsieur le Président. Sur les conflits d'intérêts, on a eu donc un débat en commission. Le président du Congrès qui avait déposé une résolution devait être contacté. Est-ce que ça a été le cas? Monsieur Travers. Alors, en fait, ce qui avait été convenu en commission, c'était de substituer finalement l'avis que la commission permanente va rendre sur le projet d'ordonnance à la résolution qui a la même valeur, en fait. Hein. Il s'agissait, là, on le verra dans le projet d'avis, c'est de demander officiellement à l'État d'étendre en Nouvelle-Calédonie pour les élus du Congrès, les élus des assemblées de province et aussi commune. Les membres du gouvernement, les dispositions sur les conflits d'intérêts. Alors, c'est pas sûr, d'ailleurs, que l'État puisse répondre à la demande qui sera formulée par le Congrès dans ce véhicule projet juridique, parce que les élus que je viens de citer sont en théorie régis par la loi organique, mais en tout cas la demande sera formulée de façon officielle par le Congrès via l'avis de la commission permanente. Alors après, effectivement, le président du Congrès ne s'est pas encore prononcé pour savoir s'il allait retirer sa résolution, mais
fortes chances pour qu'il le fasse, dans la mesure où le Congrès aura officialisé sa position sur cette demande d'extension. Merci, M. Travers. Mme Ruffinac. Oui, merci, mais en fait, dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème, puisque en fait, les deux, la résolution et l'avis du Congrès iraient dans le même sens. La question qu'on s'était posée, parce que le diable se cache dans les détails et qui a été largement évoqué en commission, c'est que le présent projet d'ordonnance restreint légèrement, finalement, le fait de lever un peu le conflit d'intérêts. Je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, pour une société telle que le SMTI, par exemple, le nouveau projet d'ordonnance imposerait que non seulement le président, mais l'ensemble des membres du conseil d'administration élus au Congrès qui participent par exemple au SMTI, je prends un exemple concret pour que les choses soient bien claires, doivent se retirer en cas d'examen d'une garantie d'emprunt. Donc, on a eu cette discussion en commission, on a établi le fait qu'aujourd'hui, si cette ordonnance était appliquée, les dispositions de cette ordonnance sur le conflit d'intérêts étaient appliquées en tant que telles au Congrès, on serait dans une démarche plus restrictive qu'aujourd'hui, où nous considérons au niveau du Congrès, et un vademécum a été établi entre la province sud, le Congrès qui a été soumis à l'État et validé par l'État, que seul le président de l'organisme doit se déporter en cas, et ça fait partie des garanties d'emprunt, de dérogation au fait de lever le conflit d'intérêts public. Donc, est-ce que là-dessus, il y a une discussion claire sur ce qu'on veut, et est-ce que nous, on veut aller vers quelque chose de plus restrictif qui est l'ordonnance d'aujourd'hui? Ou est-ce que, bon, avec la réserve, bien sûr, que l'ordonnance puisse ne pas s'appliquer, même si on le demande à l'État, dans la mesure où, effectivement, il y a de fortes chances quand même que nous relevions de la loi organique et que, par conséquent, tant qu'il n'y a pas de modification de loi organique, cette ordonnance ne puisse pas s'appliquer. Mais est-ce qu'on a tiré au clair cette disposition précise qui a fait l'objet quand même d'une discussion assez conséquente en commission? Voilà ma question. Merci. Merci, Mme Ruffinac. M. Travers. Alors, en fait, la demande d'extension qui est formulée, enfin qui pourrait être formulée par le Congrès, elle présente quand même de nombreux avantages. C'est-à-dire qu'elle réglerait quand même plus de 90% des cas qui se présentent au Congrès. La difficulté, hein, vous la connaissez bien, c'est lorsque on a des conseillers de la Nouvelle-Calédonie qui sont par ailleurs membres d'un conseil d'administration et que le Congrès examine une délibération qui concerne directement ou indirectement la situation de l'établissement ou de la société dans lequel siège l'élu, ça oblige finalement l'élu à se déporter. Alors c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, que le vademécum qui a été validé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a admis un certain aménagement à cette règle de conflit d'intérêts, en considérant qu'il y avait conflit d'intérêts uniquement lorsque l'élu du Congrès ou l'élu de l'Assemblée de province était président du conseil d'administration. Ce qui signifie, en creux, que l'élu qui n'est que, entre guillemets, simple administrateur peut tout à fait rester au sein de l'Assemblée et participer au débat sur la délibération. Bon, ça, c'est la position qu'a exprimée la Haute Autorité. Alors, c'est vrai que si on étend les dispositions qui figurent dans la loi 3DS, là, on fait plus de distinction entre le président et les administrateurs. Voilà. Mais ça ne concerne que les exceptions. Et les exceptions qui concernent le Congrès, en tous les cas, effectivement, il n'y a qu'une situation, c'est le cas où le Congrès examinerait une garantie d'emprunt concernant un emprunt contracté par un organisme dans lequel des élus du Congrès seraient administrateurs et présidents. Voilà, ça serait effectivement, là, il y aurait une règle qui serait plus contraignante qu'aujourd'hui, uniquement pour la question des garanties d'emprunt. Alors, c'est difficile, on y a réfléchi après les débats en commission, je pense que c'est très difficile de demander à l'État d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'assouplissement qui est prévu dans la loi 3DS, tout en lui demandant de ne pas nous étendre les exceptions qui sont également prévues pour les collectivités nationales, parce qu'on n'a pas de raison de ne pas étendre les exceptions. Voilà. Donc, la commission permanente, on verra dans l'avis qui va être présenté tout à l'heure. Le mentionner. On peut demander à l'État de nous étendre le dispositif en excluant l'exception pour la garantie d'emprunt. C'est la fin du mandat. Je ne suis pas certain que... on peut demander à nos collègues de l'État, mais je ne suis pas certain qu'on soit suivi sur ce point-là. Mais malgré tout, malgré cette question particulière des garanties d'emprunt, je pense que la Nouvelle-Calédonie a plutôt intérêt. Ça réglera quand même beaucoup de difficultés
a plutôt intérêt à demander le même régime que le reste des collectivités territoriales de métropole. C'est M. Travers, deux interventions. On passe à la lecture de l'avis. Ça, on commente l'avis. M. Travers. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, la commission permanente du Congrès, réunie le 18 novembre 2022, est saisie pour avis sur le projet d'ordonnance étendant et adaptant dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution la loi du 21 février 2022, dite loi 3DS, formule son avis dans le sens des observations suivantes. Donc, concernant le premier point qui a été, première difficulté qui a été évoquée en commission, il s'agit de l'extension des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La loi organique 2013-906 et la loi ordinaire 2013-907 relative à la transparence de la vie publique ont aménagé des obligations déclaratives. Il s'agit des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêt pour certains mandats électifs particuliers. Et c'est la loi organique statutaire de la Nouvelle-Calédonie, aux articles 64, 114 et 161, qui précise les obligations déclaratives auxquelles doivent se soumettre les élus du Congrès, les membres du gouvernement et les membres des assemblées de province. Il est ainsi, par exemple, précisé à l'article 64 de la loi organique que le président et les membres du Congrès sont soumis dans les mêmes conditions aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées respectivement au deuxième et au troisième de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Donc la loi organique organise ainsi les obligations déclaratives des conseillers de la Nouvelle-Calédonie en faisant expressément référence à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. L'article 5 du projet d'ordonnance qui nous est soumis étend en Nouvelle-Calédonie la version de l'article 11 issue de la loi du 21 février 2022. Les modifications apportées par cette loi sont les suivantes. Désormais, les personnes qui doivent se soumettre à des obligations déclaratives à raison de leur fonction ne sont plus tenues de le faire si elles quittent leur fonction deux mois après les avoir prises, parce que il n'y a plus d'intérêt à le faire. Les personnes soumises à ces obligations déclaratives devront dorénavant transmettre leur déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de leur mandat ou de leur fonction, alors qu'actuellement, cette déclaration pouvait se faire deux mois avant la fin de fonction et un mois après la cessation du mandat ou des fonctions. Et lorsqu'une déclaration d'intérêt a été établie depuis moins de six mois, le dépôt d'une nouvelle déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions n'est plus obligatoire. La loi impose simplement d'actualiser la dernière déclaration d'intérêt qui a été effectuée. Alors, la commission permanente s'interroge sur le point de savoir si ces modifications ont bien vocation à s'appliquer aux élus du Congrès, aux membres du gouvernement et aux membres des assemblées de province qui, en principe, sont régis par une disposition de niveau organique et non par une loi ordinaire. En effet, il n'est pas certain que le projet d'ordonnance puisse modifier la portée des obligations déclaratives prévues aux articles 64, 114 et 161 de la loi organique en actualisant la version de l'article 11 de la loi pour la transparence de la vie publique applicable aux conseillers de la Nouvelle-Calédonie, aux membres des assemblées de province et aux membres du gouvernement. En effet, selon l'interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2000, il semblerait que la version de l'article 11 de la loi relative à la transparence de la vie publique à laquelle renvoie la loi organique correspond à celle qui était en vigueur le jour où cette référence a été introduite dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, quand la loi organique statutaire mentionne l'article 11 de la loi relative à la transparence de la publique, elle fige la version à laquelle on doit se référer. Voilà. Donc en modifiant uniquement par une loi ordinaire, faisant évoluer l'article 11, il n'est pas certain que cette évolution s'applique aux élus qui sont en théorie régis par une disposition de niveau organique. Donc ça, c'est le premier point qui a été soulevé en commission et que l'on propose de formaliser dans le projet d'avis. Deuxième point, s'agissant de l'extension des dispositions du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, alors l'article 23 du projet d'ordonnance apporte des précisions en matière de conflit d'intérêts. Il est indiqué que les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes qui participent aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou privé ne sont pas regardés comme détenant un intérêt du simple fait de leur désignation au sein de ces organismes décisionnels. Donc il y a une présomption d'absence de conflit d'intérêt. Ainsi, lorsque la commune ou le groupement de communes délibérera sur une affaire intéressant la personne morale concernée, les personnes ayant été désignées comme représentants de la commune dans ces organismes extérieurs bénéficieront d'une présomption d'absence de conflit d'intérêt. Le projet d'ordonnance introduit cependant plusieurs dérogations à cette présomption
en indiquant que les conseillers ne pourront participer dans un certain nombre de cas aux décisions de la commune qui concernent l'organisme dans lequel ils siègent est-ce qualité. La commission permanente relève que ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux communes et ne concerneront ni le Congrès ni les assemblées de province. Sur ce point, le président du Congrès a adressé le 14 septembre 2022 un courrier au commissaire afin de solliciter de l'État l'extension de ces dispositions aux élus du Congrès et aux membres des assemblées de province lorsqu'ils représentent leur collectivité au sein des organes décisionnels d'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé. Une proposition de résolution sollicitant l'extension des dispositions de l'article L. 1111-6 du CGCT créé par la loi du 21 février 2022 a également été déposée sur le bureau du Congrès. La commission permanente du Congrès réitère la demande d'extension formulée par le président du Congrès dans son courrier du 14 septembre 2022. C'est là où, éventuellement, on pourrait introduire la demande d'exception pour le cas très particulier des garanties d'emprunt, mais bon, on n'est pas certain qu'on soit suivi sur ce point-là. Je continue. Donc, troisièmement, l'extension de plusieurs dispositions du Code des relations entre le public et l'administration. L'article 32 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 562-8 du Code des relations entre le public et l'administration, lequel concerne les dispositions qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et les personnes de droit public et de droit privé chargées par l'État d'une mission de service public administratif. Donc cet article dispose déjà aujourd'hui que la CADAC et la Commission d'accès aux documents administratifs doit émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui s'est vue opposer un refus de transmission d'un document administratif. La nouvelle version de cet article applicable à la Nouvelle-Calédonie opère une rationalisation du traitement par la CADA des demandes de communication des documents administratifs. La Commission permanente souligne que le régime de communicabilité des documents administratifs relève bien de la compétence de l'État au titre de la garantie des libertés publiques, comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 octobre 2014. Cela signifie que dans les relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie et les provinces, il appartient bien à l'État d'étendre expressément les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration qui portent sur la communicabilité des documents administratifs. La Commission permanente relève toutefois que le projet d'ordonnance se limite à étendre en Nouvelle-Calédonie les dispositions qui concernent uniquement les relations entre le public et les organismes de droit public et de droit privé chargés par l'État d'une mission de service public et donc ne concerne pas les relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie ou le public et les provinces. Donc la commission permanente sollicite ainsi l'extension des dispositions qui régissent les relations entre le public et les administrations de la Nouvelle-Calédonie et des provinces s'agissant du problème particulier de la communicabilité des documents administratifs. Je me suis trompé dans la numérotation, c'est le quatrième point et pas le sixième point. Donc, modification de l'article 8.1 de la loi ordinaire du 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie. L'article 33 du projet d'ordonnance modifie l'article 8.1 de la loi 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui porte sur les dispositions applicables aux communes, aux syndicats mixtes et aux sociétés d'économie mixte. Cette modification étend, en les adaptant, les articles 1524-2 et L. 1524-3 du CGCT, qui concernent l'administration et le contrôle des sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces, leurs établissements publics et les communes. La commission permanente relève que l'article L. 1524-5-3 indique que les élus locaux qui occupent notamment des fonctions de membres ou de président de conseil d'administration dans une SEM ne peuvent percevoir une rémunération que dans les conditions définies à l'article 1524-5. Et cet article 1524-5 précise, pose comme condition qu'il faut être autorisé par une délibération expresse de l'Assemblée qui les a désignés. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou des avantages susceptibles d'être perçus, ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. Ces dispositions qui font référence à l'article 1524-5 déjà en vigueur en Nouvelle-Calédonie apparaissent contraires à l'incompatibilité prévue au sixième de l'article 196 de la loi organique statutaire, qui prévoit que le mandat de membre d'une assemblée de province et par extension d'élu du Congrès, de conseiller de la Nouvelle-Calédonie, est incompatible avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une société mentionnée à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54.2 lorsqu'elles sont rémunérées. Donc on ne peut pas d'un côté organiser les conditions de la rémunération et dans la loi organique dire qu'il y a une incompatibilité de fonctions lorsque les fonctions sont rémunérées.
Donc la commission permanente attire l'attention de l'État sur la conformité de cette disposition avec l'incompatibilité prévue à l'article 196 de la loi organique. Enfin, cinquièmement, l'avis de l'Association française des maires, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, donc le président du Congrès a reçu, après les travaux de la commission, l'avis de l'AFMNC. Donc dans ce courrier, l'AFMNC, dans ce courrier en date du 4 novembre 2022, l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie demande l'extension de plusieurs dispositions du CGCT applicables aux communes. Ces demandes d'extension ont vocation à améliorer l'organisation des communes de Nouvelle-Calédonie. Donc la commission permanente sollicite ainsi de la part de l'État l'introduction dans le Code des communes de Nouvelle-Calédonie de ces dispositions. C'est, en gros, la commission permanente reprend à son compte les demandes qui ont été exprimées par la FMNC, qui, de notre point de vue, ne pose aucune difficulté sur le plan technique. Et dernière précision, la deuxième association, la MNC, a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le projet d'ordonnance. Merci, M. Travers. Je voudrais les conseillers, s'il y a des interventions. Pas d'intervention. Madame Sécria. Merci, M. le Président. En fait, j'ai juste en fait besoin de faire une observation par rapport à ce projet d'ordonnance. En fait, la difficulté qui se pose à nous aujourd'hui pour les membres de conseil d'administration, président ou pas, c'est les alternances politiques qu'on a rencontrées sur le territoire pendant la gestion de ce pays et des outils qui ont besoin aujourd'hui à la sortie des accords d'être confortés et d'être défendus, pour lesquels en fait il faut également apporter une garantie pour permettre à cette structure, que ce soit une SEM ou un syndicat, de pouvoir maintenir les emplois, sauver l'outil. Ça pose problème parce que si on est ici membre du conseil d'administration, c'est pour défendre aussi les intérêts de ces établissements et de ces SEM. Donc avec la conjoncture et notamment la trajectoire de la Nouvelle-Calédonie, ça va poser vraiment un problème pour nous. Donc étendre, ça va paralyser plutôt qu'autre chose, on va dire, notre système ici. Et peut-être qu'on aurait une mesure un peu qui pourrait garantir cela en l'intégrant dans notre règlement intérieur, plutôt que de faire étendre, on va dire, sur l'ensemble de sur le territoire, en fait, cette nouvelle mesure. Voilà, Monsieur le Président, merci. Après, n'oublions pas que nous, on donne un avis sur le projet d'ordonnance. Hein. On ne fait que donner un avis, puis après, au final, on n'a pas la décision, au final. Je rappelle juste. D'autres interventions Ah oui, c'est l'explication de vote. Juste un mot, Madame Ruffinac. Oui, au-delà d'une explication de vote, juste un mot. C'est une bonne chose qu'enfin, on mette un terme à la possibilité de conflits d'intérêts public-public. Parce que ce sont des situations, évidemment, où il n'y a pas d'enrichissement possible. Il n'y a pas, l'élu est là pour défendre un organisme public. Et quand il est dans l'hémicycle du Congrès, il le procède de la même façon. Donc je pense que c'est une bonne chose que cette situation était ingérable. Et en fait, au final, on risquait de se retrouver avec plus aucun élu, alors que notre loi et notre réglementation imposent que certains élus soient membres des conseils d'administration. Et donc, on se retrouve dans des situations où c'est une obligation que les élus du Congrès soient membres, mais ils étaient menacés de conflits d'intérêts quand ils siégeaient. Donc, vraiment, ce projet d'ordonnance, s'il pouvait être étendu à Nouvelle-Calédonie ou s'il pouvait susciter à terme une modification de loi organique pour pouvoir avoir les mêmes dispositions, eh bien, serait une bonne chose pour simplifier, effectivement, la gestion à la fois des établissements publics et le rôle d'élu en lui-même. Merci. Merci, Mme Ruffinac. Monsieur Michel. Oui, en ce qui me concerne, pas de difficulté pour voter cet avis. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Mme Ruffinac, moi, je voudrais bien être certain que ces dispositions suffisent à protéger complètement les élus que nous sommes de toute poursuite au pénal pour prise illégale d'intérêt ou pour conflit d'intérêt. Je rappelle qu'un de nos membres de cette Assemblée vient d'être condamné par un tribunal pour une prise d'intérêt moral, à une peine d'amende avec sursis, etc. Voilà. Donc, on va voter, d'ailleurs, prochainement, un certain nombre de textes, on est appelé à voter un certain nombre de textes dans lesquels, je peux parler, par exemple,
de la fiscalité minière ou deux, trois choses comme ça, dans lesquelles, stricto sensu, on n'est pas dans la liste là, mais sur lesquelles je me demande jusqu'où on est protégé, les uns et les autres, de tout risque de poursuite pénale. Donc, lorsque la direction des affaires juridiques du Congrès aura le temps de le faire, moi, je serais assez intéressé d'avoir une note qui nous permette, nous, d'apprécier dans quelle mesure on est effectivement, hein, ce que je ne crois pas, hein, ce que je ne crois pas. Je ne crois pas que ça nous mette définitivement à l'abri. Je crois qu'il y a des tas d'autres situations dans lesquelles, et c'est propre d'ailleurs à l'organisation spécifique de la Nouvelle-Calédonie, et tout le problème vient de là, hein. Tout le problème vient de là. Tout le problème vient du fait qu'en Nouvelle-Calédonie, quand tu es membre du Congrès, tu es forcément aussi membre d'une assemblée de province, ce qui n'existe pas, hein, ce qui n'existe pas en métropole, et que le droit des conflits d'intérêts n'a pas pris en compte, le droit national n'a pas pris en compte sa spécificité. Mais bon, et après, ce que je crois, c'est que c'est effectivement à la loi organique ou à la prochaine loi organique qu'il appartient de traiter ce problème. Mais voilà, j'en profite simplement pour demander, lorsque vous pourrez, M. Travers, nous faire une note qui nous permette d'apprécier, hein, si réellement ça va mieux ou si ce n'est pas encore... S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je crois que M. Travers a bien noté qu'il fallait nous transmettre une note à ce sujet-là. Oui, M. Travers, avant qu'on passe... Oui, juste rapidement, une observation. Il y a quand même une avancée ces derniers mois... puisqu'on vous a communiqué ce qu'on a appelé le Vademecum, qui a quand même été validé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a un avis formel, hein, qui a été rendu sur ce Vademecum. Et dans ce qui est proposé dans ce document qui est spécifique à la Nouvelle-Calédonie, et moi je pense que là on peut avoir une position assez sûre sur le sujet, c'est lorsqu'un conseiller de la Nouvelle-Calédonie qui est par ailleurs membre, pas président, hein, membre d'un conseil d'administration d'un établissement public, par exemple, et que l'Assemblée délibère sur un projet de délibération qui concerne directement ou indirectement cet établissement public, on peut, si on suit ce que nous a dit la Haute Autorité, considérer que ce conseiller qui est membre du conseil d'administration peut continuer à siéger. Ce n'est pas le cas, effectivement, pour le président, qui a, lui, un intérêt, un conflit d'intérêts qui est plus évident. Voilà, donc là, pour l'instant, je pense qu'on peut rester sur cette doctrine qui, jusqu'ici, n'a jamais posé de difficultés. Je vais mettre aux voix. On vote. Pas d'opposition sur cet avis. Pas d'abstention. Son avis le 18, on est le 18. Le 18 novembre. Non, mais c'est juste. Oui, on est dans les temps, mais moi je suis pas dans les temps, les gars. Donc l'avis est adopté. Je remercie le. Il est venu nous dire bonjour au secrétaire général. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Non, non, mais monsieur Jacquemin a très bien fait son job. Merci. On passe au dernier point. J'hésite. Monsieur le directeur, approchez. On passe à la délibération sur la loi de pays, sur le nouveau code des douanes. Pour rappel, cette délibération déposée le 28 juillet, examinée en commission de la CLERF. Le rapport de commission le 22 août, diffusé le 21 septembre. La loi de pays, ben, c'est celle qui a été promulguée le 3 novembre dernier. 7 amendements susceptibles d'être déposés par M. Pabouti et portant sur les articles de l'annexe. Monsieur le directeur, la parole est à vous. Soyez bref et synthétique.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Congrès, merci pour votre invitation aujourd'hui. On est dans une phase qui est celle de l'adoption du Code des douanes que l'on souhaiterait faire entrer en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine. Elle suit donc l'adoption de cette loi de pays qui a été donc publiée et elle précède un arrêté qui sera suivi en vue d'une mise en œuvre pleine et entière des nouvelles dispositions qui visent à moderniser notre Code des douanes et moderniser nos procédures en vue de faciliter les importations, les exportations sur le territoire. Ce travail a été fait en consultation avec l'ADAGE, avec l'ensemble des partenaires des directions territoriales qui sont concernées, la DAE, la DSF, et avec, en étroite concertation avec le monde économique et les professionnels du dédouanement. On est venu vers vous et je crois qu'on avait pris le soin de vous expliquer en détail la teneur de ces dispositions. Donc, personnellement, je pense que si vous en êtes d'accord, on pourrait procéder directement à la lecture. Très bien, ça me va très bien. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération technique de la délibération d'application de la loi de pays sur le nouveau code des douanes? Je n'en vois pas, on passe à l'examen des articles. Donc avant de passer à l'article premier, je propose d'examiner l'annexe de la délibération. Donc c'est les articles R111-1, l'article R123-12. Il n'y a pas eu d'observation en commission. Est-ce qu'il y a des observations là? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc c'est vote favorable. Ok, sur l'article R123-13, il y a un amendement. Monsieur Pabouti. Alors, Monsieur le Président, je vais lire l'exposé des motifs. Donc les articles R123-11 à R123-12 du nouveau code des douanes de la Nouvelle-Calédonie précisent les règles applicables à la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises réimportées sur le territoire calédonien ensuite de perfectionnement passif ou dans le cadre des régimes des retours. L'article R123-13 définit la notion de transport direct. Or, cette notion de transport direct ne vise que les cas spécifiquement prévus aux articles R123-11 et R123-12. Pour éviter une confusion quant à la portée de l'article R123-13, il est donc proposé d'ajouter cette référence aux articles suivisés. Donc l'amendement. Au début du premier alinéa de l'article R123-13, insérez les mots suivants, entre guillemets, dans les cas prévus aux articles R123-11 et R123-12. Fermez les guillemets. Tout est clair, Monsieur le Président. Tout est clair. Je propose qu'on passe l'exposé des motifs, qu'on passe à l'amendement tiré, puisque les amendements techniques, si oui. Vous ne voyez pas d'inconvénients. Pas de souci. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 1. Madame Ruffnac. Non, Monsieur le Président, je constate juste qu'on n'a pas de membre du gouvernement, quoi. Oui. Ah oui, bah c'est pénible, parce qu'à un moment donné, on est en commission permanente, qui est l'équivalent de la séance publique, et que quand il y a un texte qui vient d'un membre du gouvernement, c'est quand même bien qu'en commission permanente et en séance publique, à minima, ils viennent nous faire une toute petite introduction. Je remercie l'administration pour la présentation, mais bon, c'est pas normal. À un moment donné, il y a un problème. Nous, on est élus du Congrès, on est là, on demande juste aux membres du gouvernement, quand il y a des textes qui leur revient et qu'ils présentent, de venir, et je constate qu'il y a encore absence aujourd'hui, voilà. Donc, je ne sais pas, Monsieur Thuénon, c'est Monsieur Thuénon qui est en charge de ce texte, non? C'est qui est en charge de ce texte? Monsieur Digoué. Monsieur Digoué, bon, ce serait quand même bien que Monsieur Digoué soit là ce matin, enfin voilà, c'est tout. Merci, Mme Ruffnac. Je crois que sur ces sujets-là, j'ai toujours été proche de votre appréciation. Je crois que la présence de Monsieur Digoué pour cette délibération très technique n'aurait aucun effet. C'est une délibération technique. C'est des textes beaucoup plus politiques. Moi, je suis du genre à pas examiner quand les membres du gouvernement ne sont pas là. C'est pas le cas aujourd'hui. Et les calendriers sont difficiles pour tout le monde. Donc j'ai accepté de maintenir la délibération car elle est très technique. C'est pas la loi de pays ou là où il y avait des choses à dire, c'est des délibérations d'application. La loi du pays a été adoptée unanimement, il me semble. Donc, il n'y avait pas de difficultés particulières, surtout que là, quand on regarde les amendements, on a tout compris de ce que M. Pabouti a dit sur la technicité. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pris le choix, quand même, j'ai du retard, Madame la Présidente Ruffnac, sur la séquence du CESE qui m'attend. Je prends quand même temps d'examiner ces délibérations.
parce que je comprends que la loi de pays, c'est l'encadrement, la délibération, les services des douanes attendent, sinon la loi de pays ne peut pas être appliquée. Sur l'amendement numéro 1, est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. Qui est contre? Merci, cet amendement est adopté. Donc, sur l'article R123-13 ainsi amendé, il y a des observations, je n'en vois pas, pas d'opposition. Il est adopté. De l'article 123-14 à l'article 123-15, il n'y a pas d'observation, pas d'opposition, je n'en vois pas, ils sont adoptés. Article 123-16, il y a un amendement numéro 2. Monsieur Pabouti, merci de lire l'amendement. Oui, l'amendement très technique. Compléter l'article R123-16 par les mots. Ouvrez les guillemets, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie conserve les certificats d'origine et leur demande jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit leur délivrance. Fermez les guillemets. Voilà, monsieur le Président. Merci. S'il y a des observations sur cet amendement, numéro 2, je n'en vois pas, pas d'opposition. Il est adopté sur l'article 123-16 ainsi amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition. Il est adopté sur l'article 124-16. 123-17, non ? 123-17, il n'y a pas d'observation, pas d'opposition, il est adopté. Sur le 124-1, amendement numéro 3, monsieur Pabouti. Alors, rédiger ainsi le 15e alinéa de cet article, les conjoints unis par le mariage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins. Voilà. Ah, c'est fini. C'est rapide. Des interventions sur cet amendement numéro 3, je n'en vois pas, non. Pas d'opposition. L'amendement est adopté sur l'article 124-1, ainsi amendé. Pas d'opposition, pas d'intervention, je vous remercie. De l'article 124-2 à l'article 124-29, pas d'observation. Pas d'observation aujourd'hui, pas d'opposition. Merci. 124-30, amendement numéro 4, monsieur Pabouti. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 4 du titre 1er du livre 1er, à partir de l'article R124-30, est ainsi modifiée. 1. Substituer au mot, paragraphe 3, valeur transactionnelle des marchandises similaires, les mots, paragraphe 2, valeur transactionnelle des marchandises similaires. 2. Substituer au mot, paragraphe 4, méthode du prix unitaire, les mots, paragraphe 3, méthode du prix unitaire. En 3, substituer au mot, paragraphe 5, méthode de la valeur calculée, les mots, paragraphe 4, méthode de la valeur calculée. Et le quatrièmement, substituer au mot, paragraphe 6, méthode dite du dernier recours, les mots, paragraphe 5, méthode dite du dernier recours. Merci, M. Pabouti, c'est beaucoup plus clair, en effet. Sur l'amendement numéro 4... Est-ce qu'il y a des interventions? Je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Pas d'opposition. Sur l'article 124-30 ainsi amendé, pas d'intervention, pas d'opposition. Je vous remercie. 124-31 à 124-51, pas d'observation, pas d'opposition. Ils sont adoptés. Je vous remercie. 124-52, amendement numéro 5. Monsieur Pabouti. Alors, compléter l'article R124-52 par l'alinéa suivant. Septièmement, la constitution d'une garantie financière suffisante pour couvrir le montant des droits et taxes à l'importation dont les marchandises pourront en définitive être passibles selon les modalités prévues aux articles LP 386.1 à LP 386.7. Fermez les guillemets. Sur l'amendement numéro 5, pas d'opposition. Sur l'amendement, pas d'opposition, donc il est adopté. Sur l'article 124-52, ainsi amendé, je ne vois pas d'intervention ni d'opposition. Il est adopté. Sur 124-52 à 125-3, pas d'observation, pas d'opposition. Ils sont adoptés, je vous remercie. Sur le 125-4, amendement numéro 6, M. Pabouti. Compléter l'article R125-4 par l'alinéa suivant. Ouvrez les guillemets. Septièmement, la constitution d'une garantie financière suffisante pour couvrir le montant des droits et taxes à l'importation dont les marchandises pourront en définitive être passibles selon les modalités prévues aux articles LP 386.1 à LP 386.7. Fermez les guillemets. Merci, M. Pabouti. Sur l'amendement numéro 6, je ne vois pas d'intervention, pas d'opposition. Il est adopté sur l'article 125-4 ainsi amendé. Pas d'opposition. Il est adopté sur l'article R125-5 à l'article R321-1.
Sans observation, je ne vois pas d'opposition. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Le dernier amendement numéro 7 sur l'article R374-1. Monsieur Pabouti. Rédigez ainsi cet article. Vous voyez, guillemets, article R374-1. La perception partielle mentionnée à l'article LP374-8 est fixée à 3% par mois ou fraction de mois du montant des droits et taxes qui auraient été perçus si les marchandises avaient fait l'objet d'une mise à la consommation à la date de leur placement sous le régime. Fermez guillemets. Pas d'opposition. Cet amendement est adopté. Sur l'article 374-1, ainsi amendé, je ne vois pas d'opposition, donc il est adopté. De l'article 382-1 à l'article 832-2, sans observation, pas d'opposition, ils sont adoptés. Donc l'annexe amendée, donc je vais passer au vote de l'article 1er et de son annexe ainsi amendé. Pas d'opposition, l'article 1er est adopté. Sur l'article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et 10 qui ont recueilli que des avis favorables sans aucune observation en commission. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition. Ces articles sont adoptés. L'article 11, c'est l'article de transmission. Sur l'ensemble de la délibération, est-ce qu'il y a des explications de vote? Madame Ruffnac, d'autres interventions? Je n'en vois pas. Madame Ruffnac, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Chitine. Juste un petit mot, en fait, au-delà d'une explication de vote, effectivement, dans un contexte d'accroissement des échanges et aussi d'informatisation des procédures douanières, il convenait effectivement de réformer notre code des douanes, et donc c'est une bonne chose, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel Sidonia. Donc nous accueillons favorablement cette réforme du code des douanes. Peut-être qu'il sera intéressant d'ici quelques mois d'en évaluer la portée et de voir si... les effets attendus sont bien là, et peut-être d'auditionner les différents acteurs, effectivement, du secteur des douanes, de manière à avoir un retour sur les textes que nous avons adoptés en la matière. Je vous remercie. Évidemment, notre groupe vote favorablement à ce projet de délibération. Merci, Madame Ruffnac. Monsieur Rochettin. Monsieur le Président, nous également, donc, vote favorablement ce texte. Vous devez peut-être remercier aussi le travail fait par la direction des douanes. Je crois que notre code a besoin d'être toiletté. 1923, ben il est temps qu'on s'y attelle, d'autant que notre région donc est en train de se développer, la région Indo-Pacifique qui est au cœur des enjeux stratégiques. Et je crois qu'il est important que l'on voit comment on regarde la Nouvelle-Calédonie dans son insertion régionale. Et la douane, on sait que voilà, donc les ports, les aéroports, donc... de plus en plus ouvert dans le monde, donc on a besoin effectivement de mieux encadrer à notre ouverture dans la région Pacifique. Voilà, merci Président. Merci Monsieur Rochettin. Madame Sakilia. Merci Monsieur le Président. Je crois que cette réforme en fait du code de douane était attendue par l'ensemble de l'Assemblée. À ce stade, on va dire, de cette réforme, ça permet de conforter la transparence pour lesquelles en fait on a pris des mesures depuis 2020, donc ça conforte nos échanges avec l'étranger, et notamment au moment où on souhaite être un hub du Pacifique, on va avoir de plus en plus d'échanges numériques, et on a réussi enfin à réformer ces codes des douanes, qui va améliorer aussi la visibilité de nos grossistes, de nos importateurs et notamment de nos petits commerces qui vont beaucoup plus échanger, que ce soit en interne ou à l'extérieur, sur un code beaucoup plus clair. À une période de notre histoire économique, on a quand même connu une opacité en matière d'échange et d'échange également avec les opérants en douane. Donc c'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour notre territoire qu'on puisse à la fois se connecter à Sidonia World, mais aussi faciliter les échanges avec l'extérieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Sakilia. Je vais mettre aux voix. Pas d'opposition. Qui est pour ? Unanimité. La délibération est adoptée. Merci, Monsieur le Directeur. Merci aux équipes pour votre travail, votre présence. On passe au dernier point à l'ordre du jour, désignation des rapporteurs spéciaux. Je rappelle que c'est l'avant-projet de loi de pays relative au domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie, la protection de la ressource en eau. Et a-t-il des candidatures, Monsieur Michel? Candidature de Madame Annie Coisey. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Pas d'opposition.
Merci à Madame Coisé. Chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Non, mais en commission permanente.